Bonsoir et bienvenue à Confidence avec Carole, l'émission où j'interroge mes invités comme le FBI interroge des meurtriers. Aujourd'hui en studio, on reçoit un comédien qui a la même voix qu'un corbeau qui a fumé trop de Marlboro, Pierre Lebeau. Carole. Permettez, Carole. Oh, puis vos ongles. Je sais pas si la caméra peut bien voir les ongles de Carole. C'est absolument charmant, c'est une couleur divine. Et puis votre col roulé, ça met en valeur votre cou, c'est très, très beau. Bon, je pense qu'on peut vous asseoir. Oui, très bien, merci. Oh! Ah! Je sais pas si la caméra peut bien... C'est la première fois que je vais m'asseoir sur une chaussure. Fait qu'on peut dire que vous avez trouvé chaussure à votre fessier? C'est pas possible! J'ai une chaussure à votre fessier. Oui, mais calmez-vous, c'est juste un jeu de mots, c'est pas si drôle que ça. Excusez-moi, là, c'est peut-être un petit peu nerveux, c'est parce que quand mon agent m'a dit que je devais vous rencontrer, je dois vous avouer que vous avez habité toutes mes pensées. OK. Pendant 2 jours, j'ai presque pas dormi. J'étais nerveux à l'idée de vous rencontrer. Moi, je vous suis, moi, depuis vos tout débuts. Ah, c'est vous la Pontiac Sunfire bleu poudre parquée en face de chez nous? Oui, c'est ça, oui. Honnêtement, j'étais un peu bouche bée. Un peu bouche bée, vous vous demandez, coudonc, dois-tu continuer ou porter plainte? C'est un peu ça. Oui. Dites-moi donc, Carole, est-ce que je peux... est-ce que je peux vous faire un câlin? Dans votre tête, oui. On peut-tu commencer, là? Ah, ben oui, certainement. Alors, vous avez quand même une carrière assez impressionnante, M. Lebeau? Certains le prétendent, oui. Oui. Vous avez joué toutes sortes de rôles, des bons, des méchants. Oui, des bons, des méchants. J'ai même joué un poisson dans le film Maelstrom. OK, fait que vous êtes prêt à jouer n'importe quoi, là, même le rôle d'une pop-tarte? Ah, mais une pop-tarte, d'autant plus que ça pourrait peut-être faire bondir ma carrière, Pouvez-vous me dire un fun fact sur vous? Un fun fact? Un fun fact. Fun fact. J'avoue, fun fact. Ah! Un fun fact! Un fun fact. Oui, c'est ça. Vous voulez dire une anecdote amusante, c'est ça, hein? C'est ça, un fun fact. C'est ça, ça, c'est la bonne expression en français. C'est ça. On me confond souvent avec le comédien Julien Poulin. Ah! Est-ce oui. que vous auriez aimé ça jouer Elvis Graton? Ah, ben oui, c'est un très, très beau rôle, oui. Ouais, pouvez-vous me faire un thing big? Oui, comme ça, à brûle pour point, sans répétition, là, je suis préviens. Ouais. Thing big! Thing big. Think big. Thing big. Think big. Thing big. Thing big. Thing big. Thing big, sti. Thing big, un peu plus de fierté. Think big! Plus de confiance. Je veux qu'on sente qu'ils l'ont l'affaire, les Américains. Think big! L'ont-tu l'affaire, les Américains? Think big, si! Think big! Think big! Think big! Think big! Tabarnak! Je sais pas si c'est à cause de la chaise, mais on dirait que j'y crois pas. Est-ce que vous avez des passions secrètes? Oui, une passion... pas inavouable, mais une passion cachée, oui. J'aime beaucoup la poésie. Ah! OK, intéressant. Par exemple, vous, qu'est-ce que je pourrais vous dire de doux? Carole, ma belle Carole, tes yeux tels des corolles sous... T'as pas me comparer à une Toyota Corolla, toi? Mais non, je parle des corolles, des pétales qui s'ouvrent dans le calice. Pour vous être sacré. Bon. Avez-vous quelque chose à plugger avant de partir? J'ai une télévision, 32 pouces, comme neuve, qui n'a presque pas servi. Écoutez, je la laisse aller pour 200 $.
Et puis ça, c'est formidable parce que ça va vous permettre de suivre une série dans laquelle je joue avec beaucoup de plaisir, Léo, qui va être en onde à TVA à partir de l'automne. Une série pleine de rebondissements, de sexe, de poursuites de voitures. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est le bout, c'est assez. Fait que pas besoin de t'avertir que tu vas avoir du fun, parce que suivre la carrière d'un gars qui est prêt à jouer le rôle d'une pop-tarte pour gagner son pain, c'est bien le fun. Oui. Bonne semaine. Avant de partir, Carole, je sais qu'il y a beaucoup de gens, en finissant des entrevues, qui doivent vous demander des autographes, mais moi, j'ai quelque chose de particulier à vous demander, Carole. Sentez-vous bien à l'aise. J'aimerais ça peut-être, si c'est possible, avoir un câlin. Ouais, ouais. Oh, Carole. Carole. Ce beau sourire radieux qui vous habite. Merci, Carole. Non, moi, je vais y aller. Va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Carole! Carole! Je voulais vous proposer de vous déposer chez vous. Ha ha ha, Loft!